Le compositing, en fait, c'est l'étape finale qui est réalisée ici à Micros Animation. C'est la dernière étape avant la livraison du film. Sur cet Astérix en particulier, on nous a demandé, par rapport au domaine des dieux, d'être particulièrement plus graphique. Et il fallait vraiment récupérer cet esprit de la BD. Essayer justement de ne pas faire un film d'animation 3D traditionnel, mais de jouer vraiment ce côté graphique pour être le plus fidèle possible. Ça, c'est l'image qu'on va recevoir du département lighting qui est juste en amont. Et pour faire un avant-après, voilà ce que nous, on obtient en compositing par rapport aux directions artistiques qui nous sont données. La manière dont ça se passe, c'est que du lighting, en fait, on reçoit tous les éléments de façon séparée. Donc avec une première partie où on va avoir le décor, une deuxième partie où on va avoir le personnage, et ensuite les éléments supplémentaires, comme par ici un props qui est le gland, et potentiellement aussi des effets comme des effets de fumée ou d'entrée de lumière. C'est beaucoup de dosage en fait sur les différents éléments qui nous sont apportés. C'est aider également à la lisibilité pour mettre en valeur certains points. Par exemple, si on regarde sur cette image, ça c'est l'image qu'on a livrée par rapport à l'image d'origine où en fait on était, enfin, l'œil était trop parasité par tous les éléments qu'il pouvait avoir à l'arrière-plan. Et c'est pour ça qu'on redirige un petit peu tout le propos sur le personnage principal de ce plan-là.